Nous, c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information, nous pourrons chercher le poté le baou, Jean Lia. Marchandise Haïti, c'est la seule plateforme sociale YouTube qui va jamais nous voir monter sous personne. Nous pas 25, nous avons des vidéos. Prêtez-nous Géo Axor ou prêtez-nous chez moi, invitez 2-3 amis qui sont bien cagés sur le temps de l'IA. Nous avons fait un coulis. Fin cap fait. Fin cap fait. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Santé publique et de la Population, Monsieur le ministre de la Culture, Messieurs les collaborateurs de la présidence, Messieurs les présidents et membres de la commission multisectorielle de gestion de la pandémie du COVID-19, Messieurs, Mesdames de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, c'est avec un sentiment de gratitude que je procède aujourd'hui à l'installation de la commission multisectorielle de gestion de la pandémie du COVID-19, CMGP COVID-19. Dès l'apparition des premiers cas en Chine en décembre dernier, la psychose s'est installée. Aujourd'hui, les chiffres sont alarmants tant en ce qui concerne les pertes en vie humaine que dans les prévisions économiques. Des pays dotés des systèmes de santé les plus modernes et les plus performants du monde peinent à faire face à cette pandémie. Les mesures les plus inédites dans l'histoire de l'humanité ont dû être adoptées pour préserver les populations. Pourtant, toutes les nations se prépare au pire. Chez nous en Haïti, 24 cas positifs au COVID-19 ont été enregistrés et un mort est déjà à déplorer. Le 19 mars 2020, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré sur toute l'étendue du territoire national. La population a été invitée à observer les mesures de confinement et d'isolement partiel. Les écoles sont fermées et le reste jusqu'à aujourd'hui. Certaines entreprises ont dû faire de même. Le transport aérien a été stoppé et nos frontières ont été fermées car les deux premiers cas répertoriés ont été des personnes revenant de pays étrangers. Mesdames, Messieurs, peuple haïtien, je vous exhorte à prendre la juste mesure du risque épidémique. La désinvolture et la mauvaise foi affichées par de nombreux compatriotes peuvent conduire le pays à une catastrophe sanitaire sans précédent. Si tous les fils et toutes les filles ne s'unissent pas pour répondre à cette pandémie, nous serons très vite dépassés. Que vous soyez membre de la presse, de la société civile, du secteur privé des affaires, du secteur de la santé, de l'université, vous avez tous et chacun un rôle à jouer dans la lutte contre le COVID-19. L'État n'y arrivera pas seul. Et c'est dans le but de conjuguer nos efforts dans l'esprit du mais en pile charipalou que nous avons décidé de créer la commission multisectorielle de gestion de la pandémie du COVID-19, la CMGP COVID-19. Cette commission est coprésidée par deux éminents personnages du monde médical, les docteurs Jean-William Pape et Lauré Adrien. Le docteur Jean-William Pape, fondateur des centres GESCO, est partout reconnu pour sa contribution significative dans la lutte contre l'épidémie du VIH-Sida, de la tuberculose, du choléra en Haïti, et j'en passe. Les études qu'il a conduites sur ces maladies
et les résultats obtenus font de lui le partenaire privilégié du ministère de la Santé publique et de la population. Nous sommes donc heureux de pouvoir compter sur une telle compétence. Le docteur Laure Adrien, lui, est directeur général au ministère de la Santé publique et de la population. Il est un gynécologue très connu et apprécié du monde médical haïtien. Il a toujours été appelé à titre d'expert au sein de différentes commissions pour produire des avis techniques sur des programmes prioritaires liés à la santé publique. La troisième personnalité à cette commission est M. Paul Auxilla, qui occupera la fonction de contrôleur général des opérations. M. Auxilla est président du conseil d'administration de MSH Haïti, Management Science Health, basé à Massachusetts, aux États-Unis. La CMGP COVID-19 a pour mission d'assurer la planification stratégique et la coordination des ressources provenant des organisations non gouvernementales et du secteur privé des affaires, dans la transparence et le sens de responsabilité adéquat. Elle ne va nullement remplacer le ministère de la Santé publique. Au contraire, elle l'assistera et renforcera les efforts de celui-ci dans la lutte contre le coronavirus COVID-19. Je veux dire un grand merci à ces trois personnalités d'avoir accepté de se mettre au service de la population en cette période de crise. Peuple haïtien, c'est Macfrem dans quatre coins pays. Coronavirus là, rivé sur nous. Maladie à sérieux. Faut que nous ne pas prendre le bourgeois. Personne. M'a dit bien, personne. Pas de faire négligence dans le comportement. Pour ta cause, de tomber malade ou bien de gagner maladie. Moi, j'entends des gens qui disent que le coronavirus, c'est politique. Eh bien, je dis, coronavirus, pas politique. Maladie, ça, je dis, a touillé en pile monde, tout partout côté le passé. Je dis, c'est une question de vie et de mort. Moi, ça lié, j'ai fort. Ministre de la Santé publique, là, avec toute équipe, là, sous affaires dépistage, préparation qui est en fait à travers tout le pays. Là. Tout ça que le ministère de la Santé publique, avec le laboratoire national de santé publique, est en fait dans le cadre de la propagation de la pandémie du coronavirus. Là. Moi, je veux un gros coup de chapeau pour tout travailleur de santé dans le pays, là. Tout personnel soignant. Qui vient tant commencer à travailler, n'a pas prendre soin de monde qui est infecté déjà. Et monde équipe ministère de santé publique qui est dans tout le pays, qui a marché, il y a un monde qui a détecté pour travailler pour mettre tout l'autre monde en quarantaine. Monsieur, dames, chapeau pour nous. Nous sommes des mondes invisibles, pas des monde qui ouais nous dans le travail, ça n'a pas fait. Mais moi-même, moi connais et dans nos peuples haïtiens, moi dis nous merci. Merci en pile. Jodia, moi voulais profiter de l'occasion ça pour me parler avec nous, pas seulement comme président, pas seulement comme président pays, mais comme un papa petit, qui est danger qui a venu, danger ça qui a privé, et qui voulait. Et pas petit de malaise. Ça. Administration non a fait tout ça le capable pour empêcher virus la gaille col trop pour empêcher le faire gros dégâts. Mais moi besoin de support chaque Haïtien, chaque Haïtienne pour nous gagner bataille ça. Jean nous joindre support
membre commission multisectorielle là aujourd'hui. Malais coronavirus là pendait sous tête nous toutes. Moun riche tant que moun pauvre. Moun pour clair tant que moun pour noir. Moun en haut tant que moun en bas. Moun en dehors tant que moun la ville. Qui donc c'est nous toutes qui pour mettre main pour nous faire face carré pour nous croiser maladie ça. M'a demandé tout travail la presse à la ronde badè pour te coller dans la guerre nous déclarer contre coronavirus là. Toute radio, toute télévision, tout journal, tout influenceur sur réseaux sociaux, moment arrivé pour nous faire une chaîne de solidarité à tout le monde qui a combattu l'épidémie ça. Moment arrivé pour nous lancer un combat national pour nous battre Charles Barry derrière coronavirus là. Je dis, n'a pas demandé tout leader d'opinion. Yo. Si tout si là qui dans la radio dans quatre coins pays d'Haïti avec l'autre bord de l'eau, pour poter coller à tout stricti qui mettait sous pied pour faire face carré à l'ennemi commun ça qui est le coronavirus. Puis bonnet, c'est grand matin, puis écoute, rendez-vous. C'est l'occasion pour annoncer la population. Association pharmacien Haïti, dans la tête collée avec la faculté de médecine, avec la pharmacie, et dans la tête collée avec la douane dans le pays d'Haïti, que publiquement je remercie le Premier ministre hein, pour la pile saisie que tu as fait dans les affaires de monde qui a entré alcool en contrebande dans le pays. Je dis, l'alcool s'est observé pour les gens qui sont cité là. Travaille 6 jours sur 7, 12h à 18h dans chaque jour pour faire solution alcool pour désinfecter les mains. Ça nous tout relé, hand sanitizer. Ça veut dire, solution ça va le distribuer gratis dans tout l'hôpital. Santé, bio l'État, entreprise publique et privée, une façon pour aider les gens qui sont obligés de prendre la rue au travail, désinfecter, mais c'est une façon nous empêcher la maladie, blague col dans le pays. Parce que nous connaissons, mais nous, c'est plus gros l'ennemi que figu nous gagne aujourd'hui. Ça veut dire qu'il faut toujours propre, faut nous toujours qu'un bel dans bonnes conditions. Dans ce qui concerne l'achat de 18 millions de dollars matériel dans le cadre de COVID-19, là, je voulais une autre fois encore que le peuple haïtien, chaque haïtien, haïtienne, frère, qui a regardé, qui a attendu, pour une quatrième fois, depuis le président, l'État a acheté 100 messieurs pourcentage. Première fois, c'est là l'État a acheté 160 millions de dollars d'équipement. Nous avons acheté premièrement pour 123 millions, ensuite nous avons acheté pour 36 millions, disons 123 millions 400 000, nous avons acheté pour 36 millions 600 000, qui fait, et l'équipement nous avons acheté 100 messieurs pourcentage. Parce que nous avons gros messieurs dans le pays, il y a que les messieurs pourcentage, là où elle comprend face l'État, c'est un gros problème. 160 millions, 100 messieurs pourcentage. Le contrat a fait pour l'Office national d'identification, t'es décidé pour faire renouvellement. Carte d'identification nationale. Contrat ça a été fait pour 27 700 000 dollars, 100 messieurs pourcentage. Troisième contrat, blindé qui t'a acheté pour la police, c'était fait tout, 100 messieurs pourcentage. Et je dis encore, l'État haïtien a acheté pour 18 millions et quelques millions de dollars, 100 messieurs pourcentage. Et pendant le président, jusqu'au 7 février 2022, a gagné pile à chaque a toujours fait 100 Monsieur pourcentage. Les mauvaises habitudes ont la vie dure, mais je dis à tout le monde, nous décider, laisser l'argent l'État qui a dépensé pour ne pas gagner personne. Moi, je dis personne. Qui campe en quoi? Qui pour faire quoi? Des biens en l'air la donne. 18 millions de dollars, l'a acheté directement en Chine et tout ça
qui a acheté ou bien pour entrer pour venir servir peuple. Mandé premier ministre pour j'ai été bien éclairé pour chaque cargaison qui entre, faut toujours là pour vérifier, garder et me connaît tout. Le gouvernement prend décision pour me profiter, féliciter et remercier le ministre de la Santé publique. Décision qu'il prend pour que gagne un bon genre de supervision qui fait depuis le tout matériel ça y a bien pour quitter le pays côté absouti. Moi, après appeler tout administrateur qui a une responsabilité de dépenser l'argent de l'État dans les affaires pandémie, ça. Il doit faire ça avec transparence. Parce que vous avez pour vous rendre compte sur chaque centime dépensé. Même gens, nous avons arrêté, nous parler de audit qui supposé fait dans le travail que la commission a bien pour le faire. C'est même gens tout, dans la dépense publique, a toujours un compte qui rentre au peuple à connaître qui côté l'argent allait et qui ça qui fait avec eux. N'a pas informé tout haïtien, tout haïtien. Chaque jour, sous ça n'a pas fait, sous ça, nous pourrons le faire pour empêcher COVID-19 la gagne école dans le pays. Ministre, communication qui là, moi connais, une cellule communication qui monte et un travail sérieux qui commence à faire. Mais il faut nous continuer. Ak travail sa yo et pour nous capable atteindre toute presse là, ça veut dire me dit toute presse là à la ronde bade, tout le monde, ni gros leader d'opinion jusqu'à journaliste qui dans radio communautaire qui dans coin qui pi éloigné dans pays là, moi veux que tout le monde ministre communication a parlé d'un seul bagaille de danger ça qui pendait sous tête nous qui relé coronavirus là. C'est seule façon d'a ka protéger peuple là. Haïtiens, haïtiennes, c'est ma frère dans quatre coins pays. Les gens qui sont plus fragiles, qui sont plus exposés, c'est grand nous, c'est grand papa nous, c'est maman nous, c'est papa nous. On aide les gens pour nous prendre précaution pour que la maladie ne soit pas entrée sur nous et sur nous. Si ça t'arrive, on suit toute sa consigne autorité la santé ben nous. Mais quoi que commission ça qui montait avec des personnalités qui passaient de présentation par le travail et au par le travail Jean moi ça commence à faire parce que on connaît chaque temps ma parle à peuple là dit toujours bon parfois il y a ça qui passait dans les couloirs que toujours profiter d'il c'est pas aujourd'hui à peuple haïtien monde ça renouer là. Moi-même, les 1h du matin, 2h du matin, je parle à la ministre de la Santé et je parle avec eux. Je dis, ministre, comment ça est? Parce que moi, je dis, il y a tant de quantité de monde qui mourent de tel côté. Il y a plusieurs milliers de monde qui prennent maladie. Comment nous est? Je dis, président, je travaille. Mais président, faut-il pas la docteur Loreno? Faut-il pas la docteur Pape? Ministre, je suis toujours pour note et je toujours fais ça. Et il me dit que ce n'est pas aujourd'hui, je n'ai pas parlé. Et je comprends un peu le bagage. Et c'est pour ça que je dis, je viens camper devant nous. Pour me dire, nous, moment ça, son moment, ce n'est pas non seulement son trêve pour nous dire que nous avons fait. Ce n'est pas vrai, moi. C'est pour nous entrer dans l'union, faire la force là. Pour nous capables de faire un l'autre, quel que soit notre camp politique contre sorti, quel que soit l'idéologie politique ou. Quel que soit couleur, rang social, on nous mette tête ensemble. Pour nous aller ensemble. Pour nous faire peuple comprendre que maladie coronavirus, ça, c'est pour nous jouer. Son maladie qui a fait pile de l'eau couler dans les yeux nous. Si nous ne prenons pas au sérieux, pour nous capables de prendre par les cornes, parce que son taulier, c'est pour nous qui prendre par les cornes, pour nous empêcher de gagner terrain, tailler banda dans le pays. Pas oublier les consignes, lavez les mains de temps en temps. Camper trois pas de distance, et les gens sont en ligne. Tousser et esterner dans le coup de bois.
mettez cachné Jean Noël m'ta rentrer là Noël cachné m'dinan nem ak bouchement parce que cachné a li important en pile et m'connais premier ministre là a travaillé avec producteur ici tu m'crois que là bien pour bail information pour qu'on à quel niveau que nous y parce que moi pensais que d'ici semaine prochaine faut commencer avec distribution cachné pour monde qui vient pour prendre la rue pour toute cas en situation pour mettre cachné mais même là ou pourquoi bien cachné qui fabriquait moi regarder sur réseaux sociaux moi ouais grand pile artiste que me profiter saluer là me saluer artiste nous pas besoin faire jalousie me saluer nous moi ouais gros travail que n'a fait continuer sur route ça que nous y a pour nous motiver moun yo et modèle moi ouais nous faire cachné avec on mousse toile coton si nous était capable même faire des émissions qui passent sur tout pays à sous ça qui cap permettre moun yo commencer ouais avec deux élastiques toile que yo rien yo ka faire propre cachné pa yo parce que cachné qui lavable là c'est meilleur là river la carwash ou laver avec bon de l'eau avec savon et puis on mettait le sèche. Je pense que nous sommes pays, Jean, docteur Papsoudil, il faut nous prendre responsabilité, nous, parce que dans ce qui a passé aujourd'hui, tout pays sur la terre a des problèmes. Chaque pays, c'était pas eux qui a occupé avant. Nous-mêmes, on essaie de regarder pour nous comment, pour nous voyager, pour nous occuper de cette panne. Mot d'ordre, restez là quand nous, il n'y a pas changé. Pas sortir sans besoin. Si nous pas besoin, après la rue. C'est la meilleure façon pour nous pas prendre. Pour nous pas bailler le coronavirus. L'État haïtien, le gouvernement, a fait tout effort, tout ça qui n'a moyen pas nous. Nous pas ménager aucun effort pour nous ralentir la course maladie du coronavirus. Là. Mais, peuple, là, peuple haïtien, frère Maxime, je vous demande un grand bagage. Jodi, aidez-nous même, autorité. Et des comités comme fait sort mettre sous pied là, commission multisectorielle. Aidez-nous pour nous capables de protéger vous. Merci un peu. C'est deux co-présidents, nous allons attendre tout de suite Dr Pape dans mot de circonstance. Docteur. Monsieur le président de la République, monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Santé publique et de la Population, haute autorité de l'État, chers compatriotes, le président de la République a fait appel à moi pour diriger avec mon collègue le docteur Leré Adrien, directeur de la Santé publique et de la Population, une commission multisectorielle de gestion de la pandémie COVID-19, CMGP COVID-19. Je remercie le président de sa confiance. C'est une très lourde tâche et un défi que j'accepte volontiers. Je suis particulièrement satisfait que le président m'a donné, avant même que je le demande, la possibilité à cette commission de fonctionner de façon indépendante et en toute transparence. Nous avons entrepris divers combats en Haïti contre la diarrhée infantile, qui était en 1980 la cause première de mortalité infantile. Le sida également, pendant deux décades, la cause première de décès. Aujourd'hui contrôlé et en septième position comme cause de mortalité. Le choléra qui est presque éliminé du pays. Le dénominateur commun de ces réussites est l'union. Pour cette pandémie qui a mis à genoux les meilleurs systèmes de santé au monde, l'union de tous les Haïtiens sans distinction est obligatoire pour vaincre le COVID-19. Je vais profiter pour rapidement répondre à certaines critiques du ministère de la Santé publique et de la Population qui reviennent souvent avant même mon implication dans la gestion de cette crise. J'ai entendu souvent que le MSPP empêchait aux laboratoires privés de réaliser les tests rapides pour la détection des cas de COVID-19. Le MSPP a eu raison d'interdire les tests rapides, car les tests en question donnent beaucoup de faux positifs et de faux négatifs et auraient créé une confusion totale et une panique dans la population. On donnerait à des gens des tests négatifs alors qu'ils sont infectés. Par contre, les tests de PCR conduits par le Laboratoire national de santé publique sont précis et recommandés par l'Organisation mondiale de la santé.